Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Il n'y a plus de bouillance. Tirailleurs remontés. Les Ardailles, la Confédération Illyrienne. Alliance établie, c'est le site de Actri. Bon, on a de nouveaux copains. Bah écoute, on a le même ennemi, hein. Tu connais le dicton. Eh ouais. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Hop. Peut-être qu'on peut l'améliorer. C'est une fine tacticienne. Là, l'Empire part commence à chuter là. Ah, tu m'étonnes qu'il. La décadence. Il va avoir un peu de mal. Oh, y'a personne à Garam. C'est gratuit, c'est ça qu'on aime. Ah, il s'infiltre derrière les lignes romaines. Ah ouais, bah alors. T'as ce qui est bien, c'est que j'ai pas appelé Chypre à l'aide, mais ils viennent quand même. Ils sont fidèles, hein. Pour ah, de fou. Yeah. Ah, là, la couleur de map est beaucoup plus jolie comme ça. Ça fait bleu rouge. Alors moi j'ai deux bleus, t'es rouge toi? Non, je disais rouge par rapport au territoire romain. Ah, ah oui, le bleu est meilleur. Sur la frontière, sur la carte, ça fait rouge bleu. J'avoue. C'est beaucoup plus beau à l'œil. On va mettre plus de bleu encore, ce sera encore plus beau. Hop, tac 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 tac. Ah oui, c'est ça. Et il montait le niveau. Oui, très bien. Tiens, toi. Envoyé en diplomate. Oh la vache, la Rakosi, je les aime pas du tout. Hein. On va les envoyer chez les Séleucides, nos meilleurs copains. On s'entend à 247. Tant dire, toi et moi, on est les meilleurs potes. Hop. Là, je vais faire fusionner les deux. Je vais récupérer la cavalerie. Je sais pas m'en bêter. Hein. Non, la région de Suse, les merveilles. Ça me donne plus 10% de recherche militaire. Hein, la faction, moins 20%. De résistance à l'occupation étrangère. Oula oula oula, la oula, faction. Oula oula. C'est pas mal ça. Je peux pas choisir, c'est un peu de la merde ça. Le mont Beishtun. Tu vas t'occuper de ça là. Voilà. On va voir ce que ça va faire, s'il va bouger ou pas. Ah bah ça avance pas mal. Epidamnos. Ah c'est à la Grèce ça. C'est à Athènes je veux dire. Ah ouais. Eh ben. Athènes Petit empire athénien là. Le retour de l'âge d'or athénien. Et là. Ah, là, sacré âge d'or athénien. Bon il leur manque un peu une partie de la Macédoine. Mais en vrai. Ils ont maté Sparte. Enfin, ils ont maté la Macédoine. En plus, historiquement, c'était la période où Athènes était en décadence. Ah bah oui, là, c'est clair. Et là, dans le jeu, ils sont en mode nope. On va retrouver notre âge d'or. Ils sont levés du joug macédonien. D'abord, il y a eu les Macédoniens, puis après, ça a été les Romains. Pour le coup. Quelques années plus tard. Enfin, quelques dizaines d'années plus tard, quand même, faut pas décoller. Allez, mon armée, du coup, elle peut marcher que jusque-là. Ah, y a du monde, hein, quand même. Ah, ouais, mais il est tout seul. Ouais.
Ça progresse de mon côté. Patiente encore quelques tours. Ah, t'as Aria qui a récupéré Suzir, tiens. Ah oui? Ah Ouais. d'accord, j'avais pas vu. Je pense que d'ici 2-3 tours, il va y avoir une révolte à Pergame. Il va falloir que j'en profite pour récupérer la ville sans provoquer une guerre. Ce qui pourrait être pas mal. C'est pas forcément le plus simple, mais ouais. Allez, partent là, mon Dieu, regarde leur territoire. Il ne veut plus rien dire. Quelque peu morcelé, quoi. Ouais. Ils s'en fait prendre bam. Je sais pas si c'était à eux, mais je crois pas. Ouais, bah. Il y avait une Ils armée à prennent. Gore qui a disparu. Ouais. Ah Royaume de d'accord, ils sont vers Tilis. BAM les portes. Pacte de non-agression. Non. Je veux bien à la rigueur faire un accord commercial, mais c'est tout. Veux faire la paix, paye-moi. Pour 500, peut-être qu'il va accepter. Ah, il a accepté pour 500, c'est nickel. En vrai, j'aurais pu Plan faire une alliance économique. défensive avec Et Knossos, du parce que personne commerce. ne va les attaquer. Et eux, on va peut-être participer à mes guerres si quelqu'un m'agresse. Votre diplomate est revenu accompagné d'un barde célèbre. Par contre, j'ai perdu un gosse. Allez, dis-moi que c'est pas le gosse le plus âgé. Oh, j'ai perdu Bérénice à 9 ans. Merde. Ah merde, alors. Putain, si on. Moi, c'était un gosse. Bon, tu m'as envoyé un barde célèbre, c'est cool. Ah oui? Bah Ouais. écoute, profitons. Bien, ça augmente l'ordre public. Ouais, mon armée prend corps, Par ça contre, tombe bien, ils se sont Chypre. barrés. Ils sont perdus, les Ils pauvres. partent. Ils savent vraiment pas quoi faire. Hein. Fallait Hop. rester ma satrapie. Ok, bon, il traverse le désert pour essayer de reprendre Garama, mais ça servira à rien. Ah oui, je suis en train de mourir de faim. Hop, je récupère la cavalerie. Et direction. Hein? Pas le droit? Ok, d'accord, bon. Direction Carmutas, bien évidemment. Pendant que toi tu recrutes quelques petites cavaleries. Bizarre ça. Ok. Est-ce que j'ai toujours pas débloqué ça? Dommage. Non, et puis bon, bah on ira embêter les Romains dans pas très longtemps, quoi, aussi. Ah, je me suis trompé de temple. J'aurais plutôt faire un temple qui booste mes richesses liées à l'agriculture. Ah, je vais songer. Faire un terrain sacré à la place. Oui, ça m'augmente l'agriculture. Est-ce que je serais pas mieux de faire un grand temple ptolémaïque? Ici, en vrai, avec les mêmes bâtiments, je vais faire un temple de The Summon. Collecte des impôts en plus, ça partira mieux. Ouais.
temple de Zeus, Amon. Et là, en ordre public, on est à 1. Au prochain tour, les parts, je pense qu'ils vont récupérer BAM. Hop. Je crois qu'il y a une sauvegarde auto. Ouais. Je me méfie, on sait jamais. Hein. T'as raison. Hop, nos diplomates qui avancent encore. D'ici 5 tours, je pense qu'ils seront. On a attaqué. Ah, mais il a été blessé. Problème d'esclaves. Ah, ils sont chiants, putain. Du coup, je vais modifier mon bâtiment. Je vais faire un bois sacré. Je pense que celle-ci, je vais faire un temple d'Arès ou un truc comme ça. Ou un temple d'Héphaïstos. Faire un temple d'Arès. Bon, du coup, il y a un petit problème là, politique. Je sais pas ce qui se passe. Cet homme était autrefois un esclave. Mais comme un esclave conducteur, il était cruel. Alors, il y a un meneur d'esclaves. Un esclave qui fouette d'autres esclaves. Quoi. Il était cruel et sans cœur. Ouais, le coup classique, ça. Bon. Son manque de compassion et je sais pas quoi ouais, du coup ça a rendu les esclaves un peu furieux et donc je vais le promouvoir hein, même si je pense qu'il va peut-être y avoir un mécontentement des esclaves mais c'est pas grave au pire s'ils ont rébellion d'esclaves ça fera un peu d'action. Je regarde si j'ai rien amélioré. Pas un petit bâtiment économique à faire là. Je crois que j'ai tout fait. Hein. Après, ce que j'ai amélioré, c'était temple ou des bâtiments militaires. Peut-être éventuellement faire du commerce à la Confédération Myrienne. Ils veulent pas faire de commerce avec moi. Rode, ils veulent bien faire du commerce ou bien? Non. Toujours pas. Syracuse ne m'aime pas. Je vais capturer quelques villes perses, ça va financer la future guerre contre les Thraces. Alors, mes partes abandonnent complètement l'Iran, là. J'abandonne la Perse. Ils rentrent chez eux, tellement ils sont dans la merde. En même temps, ils sont attaqués par trois endroits, donc... C'est un peu compliqué, là. Ah, mon espion, je vais l'envoyer plutôt au nord. Parce que, en vrai, je peux faire une percée, si je le souhaite, vers Raga et Hécatompylos. Et du fer à Raga, donc... pas me priver. Allez, une petite alliance défensive avec Knossos. Même ah, mode. Ils ont repris Gore, les Drangian. Putain, ils sont chiants. Ils pouvaient pas mourir. Renvoie-leur un diplomate. Un diplomate. Dommage, j'en ai avec renvoyé un peu de chance. Et ordre public, tu m'as encore renvoyé un barde, mec. Ah la chance. Ah de ouf. Allez.
A pu. Avec quelques esclaves. Là, on va commencer un gros morceau, les gars. Pas attaquer Rome ? Ouais. J'espère qu'ils ont pas les légionnaires. Hein. Ouais, dans tous les cas, ça devrait le faire. C'est une attaque de légionnaires sur des piquets, ça fait mal. Ça se passe en général pas terriblement bien. Mais pas, j'ai en espoir. En fait, ils ont des javelots précurseurs, donc. Après, j'ai envie de te dire. T'as que ça à foutre en même temps d'attaquer Rome. C'est oui. Ils ont un allié défensif. Et ça, ça m'arrange pas. Ils sont allés avec Syracuse. Ah ouais. Bah, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le truc, c'est que je connais pas. J'aurais bien aimé connaître au moins une des factions avec lesquelles il est en guerre pour les rejoindre, mais j'en ai pas découvert une seule. Quoi. Pas de peau. Commencer la diplomatie. Je vais pas t'appeler à la rescousse, on sait jamais qu'ils t'envoient un truc vu qu'ils sont en Macédoine. Ouais, on sait jamais. Voilà. Ah, c'est là qu'on commence à s'amuser. Rome. Il va y avoir des batailles intéressantes. Envers ces garnisons, ça va. C'est pas ce que j'appelle intéressant. Ah, c'est t'as attaqué en traite, c'est pour ça. Comment ça en traite? Je les ai prévenus, hein. J'ai fait ça propre, hein. J'ai fait une déclaration de guerre avant d'aller sur ces territoires. Ah, c'est Syracuse qui a Carthage. Oh, il y a des bas quartiers, c'est quoi ça? Ouais, ouais, Syracuse qui a bien grandi. Hein. Hop, direction Lepsis. Là, je pense pas qu'il passe par le désert, sinon il est un peu suicidaire. On fait des rimes. En culture, j'ai pas un truc qui augmente la recherche. Dommage. On va faire ça. Ah si, bah oui, si, c'est juste devant mes yeux en fait. Donc, un tour per game sur révolte. Ouais, d'ici quelques tours, il y aura assez de troupes pour prendre. Ah, c'est pas mal. Hop. Ah, Diospolis. La question. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai des bâtiments spécifiques? Je sais que j'en ai, mais je sais plus lesquels. Des bâtiments, ça je sais. Je pense pas que j'en ai là. Ouais. Je pense pas que ça soit là-dedans non plus. Non, bah j'ai que deux bâtiments. Ok. Ok, ok. Bon, bah faire des revenus agraires supplémentaires. Ah oui, c'est vrai que je l'ai adopté. Voilà, un nouvel enfant. Athènes a un territoire assez gros. Conséquent. C'est rare de voir ça. En plus, ils sont faciles à prendre, donc c'est... Les Cimériens ont pris Sinope. Ah, ouais, bah c'est parce qu'ils sont contre le Ponte, comme d'hab. Ouais. Ça aurait pu être intéressant de les attaquer maintenant, mais je crois qu'ils sont alliés avec l'Arménie. Ah, ça ferait beaucoup, là. Ouais, tout d'un coup. Hop, ok, là ça recrute. Est-ce que je recruterai pas une petite flotte? Une deuxième, on sait jamais. Ouais, c'est une deuxième petite flotte là, on sait jamais. Toi. Ah, je n'attends que ça qu'ils se rebellent à Pergame. Je récupère du marbre. Ok.
Voilà. Puis dans cette tour, on aura une nouvelle flotte. Toi, tiens, tu vas retourner chez les... chez nos amis Séleucides, vu qu'apparemment ça se passe très bien. L'ordre public, il est très bon ici, c'est impeccable. Ah oui, c'est vrai, tu fais des flottes full artillerie. Ouais, bah oui, c'est beaucoup trop fort. Je vais pas me priver. Est-ce que c'est fort en bataille aussi? Ah ouais, c'est trop trop fort en bataille. Une fois qu'ils abordent les navires, techniquement, c'est très faible. Justement, le but, c'est d'arriver avant qu'ils ne... C'est de les détruire, je veux dire, avant qu'ils abordent, les navires. Et en général, dira, ils... là, tu as 19 artilleries. Je suis en train de mourir en face. Hein. Ouais, 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 et après, tu fais un petit coup d'épronage et puis c'est fini en général. Ça se passe tout seul. Merci pour l'argent. Hop, ça devrait financer pas mal de choses tout ça. Déjà avec tout ce que tu m'envoies, ça me permet de d'améliorer quasiment tous les bâtiments que je veux sans me dire si je dois plutôt améliorer un bâtiment ou un autre. Ouais, sans délaisser certains. Ça c'est bien. Tu t'allies avec nos sauces. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ils sont assez pacifiques, ils sont loyaux en plus, donc. Bon, prochain tour, moi, je récupère Persepolis. Après, j'ai envie de mon espion explorer au nord d'Oraga. Grâce à la merveille de Suze. Je peux faire des recherches militaires plus rapidement et ça c'est cool. Quand j'aurai les 3 recherches tiers 1 de siège, j'aurai moins 3% du coût des unités de siège. C'est plutôt pas mal. Et je crois que j'ai amélioré quasiment tout en fait. Il faudrait que je fasse une recherche pour débloquer les bâtiments suivants. Est-ce qu'ils vont se révolter? Ah, c'est dans un tour qu'ils se révoltent. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais virer les lanciers orientaux. C'est un peu de la merde. Je vais prendre des hoplites à la place. Je vais finir mon tour. Hein. J'ai fait tout ce qui était possible de faire. Ah oui, c'est vrai. Je vais envoyer un diplomate. Essayer de récupérer les territoires. Je vais l'envoyer. Comment il s'appelle? Edrangian. Voilà. En espérant que cette fois-ci j'ai un peu plus de chance. Puisse le sort être favorable, comme on dit. Espérons. Oh, je te dis, à mon avis, t'as une chance sur 10, un truc comme ça. Bah, je vais en envoyer un à chaque fois. Hein. En plus, tu peux envoyer les... des territoires à l'infini. Tu peux envoyer en plus les ceux des autres factions, comme ça, si tu le perds, tu t'en fous un peu. Ah, j'ai envoyé la femme de mon roi, j'espère qu'ils vont pas la tuer. Ça peut arriver. Hein. On remarque, ça sera un bon casus belli. Pour changer de femme? Non, pour leur déclarer la guerre. Ah, dommage. T'as la première option, je préférais. Hein. Hop. Ah, ils font des actions contre mes agents, ces couillons-là, alors qu'on se connaît même pas. Quoi. C'est n'importe quoi.
Les diplomates, ils sont en direction de Rome, tranquillou, et la Fédération Illyrienne qui... Votre diplomate a été blessé et est revenu le Magida. C'est pas grave. J'ai fait une recherche en gestion. Ah oui, tes agents, ils sont là-bas. Ouais, bah ouais, direction Rome. Hein. Ça a l'air sympa, là. Agents. C'est pas l'argent qui me manque, en plus, maintenant. Tu m'étonnes. Mes dieux guident mes pas aux aguets. Hop là. Faisons un petit blocus à Lepsis. Ouais. Comment ça? Ah, j'ai oublié d'améliorer un bâtiment à Suse. Putain, ça dégoûte. Je suis à 20 de nourriture là, avec toutes mes casernes niveau 3. Ah, et comme je disais, hein, mine de rien, ça consomme. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est assez fort d'avoir un petit surplus alors que t'as des bâtiments évolués. C'est clair. Pour ça, moi, ouais, en général. J'ai une ferme en construction. Je sais pas si tu regardes mes territoires. En fait, moi, mon seul point de recrutement, il est en Éthiopie. J'ai pas une seule caserne autre part, quoi. Ah ouais? Ouais. Genre c'est pas chiant pour recruter des armées? Si, mais disons que en général j'enlève pas non plus tous les jours. Tu vois, par exemple, je pense que mon prochain point de recrutement il sera peut-être en Corsica, en Corse et Sardaigne, tu vois. Ok, moi j'avoue que dans chaque province je mets un bâtiment militaire de chaque pour pouvoir recruter. Tous les types d'unités dans chaque province sans avoir justement recruté une armée dans ma province de base, et ensuite une fois qu'elle est recrutée ça te prend un temps ouf à déplacer l'armée là où tu en as besoin, alors que si je fais pas je vais mes bâtiments en vrai ça c'est bien province, en cas d'urgence, ouais. Dans une province qui est à l'extrémité de mon empire. Bah, je peux recruter les mêmes unités là sans avoir à déplacer mon armée, quoi. Tu vois, par exemple, en Arabia, où je sais que t'es juste à côté et qu'il n'y a que toi. Toi, genre, je m'en fous un peu, tu vois, d'avoir un point de recrutement. Ah oui, ouais, pour le coup, là. Par contre, à contrario, je laisse une armée entière. Bon, là, parce que je sais qu'il y a la partie. Mais quand ce sera tranquille, franchement, l'armée est partie. Hein. Ah, fais gaffe à ce que les Romains ne débarquent pas à Jérusalem. Quoi? Il y a du monde? Non, je rigole. Ah, bah t'inquiète, après je recrute les marées azur, là, une nouvelle flotte à Alexandrie. Et... Franchement, si l'IA fait ce genre de move, ça me surprendrait. Bon, après, regarde les. Je regarde Chypre hein. Entre Marib et Masgat. C'est où Marib? C'est tout au sud de l'Arabia, Félix. Ah oui, ça. Hein? Ah oui, d'accord, ils sont pas rentrés encore eux. Non, mais ça fait peut-être 5 tours depuis le début là, du tournage. Là, ils sont là. Je sais pas ce qu'ils vacances. Foutent. Ah, ils vont bronzer, mais là ils vont bronzer un peu trop. Là, c'est. Enfin, bronzer à la plage, je veux bien, mais dans le désert, c'est pas terrible. C'est les bronzés font du ski sur les dunes, quoi. En fait, comme ils ont pas d'ennemis, faut que ça à foutre. Bah, si, pourtant. Ils sont en guerre contre la partie, comme moi. Ouais, mais et je pense pas que les partes aient le luxe d'aller les envahir, quoi. Non, mais pourtant j'ai mis une cible de guerre, donc il devrait t'aider. J'ai mis une dollar armée en cible. Ah, mon diplomate est revenu avec un maître de cavalerie. Du coup, mes cavaliers seront plus entraînés au recrutement. Ça c'est bien, ça, tu vas pouvoir bien recruter. Pas mal. Il y a une révolte qui se prépare à Pergame.
Ah, elle a pas commencé? Bientôt à New Comedia. Ils sont à 20, moins 80 et 20. Bon, Persepolis, là, je le récupère. Comment ça se passe? J'ai fait une auto-résolution. Ah pardon. Oh, tu vas avoir quelques pertes, mine de rien. Oh, mais rien de méchant. Ça va, 80%. Rien de méchant. C'est la cavalerie qui prend cher pendant les batailles auto-resolve. Ouais, ça c'est un peu chiant. Ils ont des bas quartiers, putain. Excuse-moi, en plus je regardais autre part, j'étais. Ouais, ça marche. Pas du tout focus sur le truc. Juste ça. J'ai envoyé un autre diplomate chez les Drangian. Non, en fait, je fais un truc en parallèle. Là, j'ai un tout petit truc à gérer. Je suis désolé d'ailleurs, je bouge pas beaucoup la caméra. Mais dès que je passe sur une autre fenêtre, ça me ferme automatiquement ma fenêtre de. Enfin, ça me ferme. Non, ça me réduit la fenêtre de Rome. Et du coup, je vois pas, c'est un peu chiant. Mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ils ont personne à Raga. C'est chiant, parce que sur Rome, on peut pas faire des échanges de territoire. Non, je crois pas. Ou alors je suis pas au courant. Ah, je peux faire des piquets à une autorax. Ah, ça y est? Ouais. Ah, c'est Ils fort. Sont pas plus cher que ça l'entretien, en vrai. Je peux faire des épéistes à une autorax. Des Tour of Roy. Cavalry Tarantine. Aussi, oui. C'est le bâtiment niveau 4 qui est vraiment intéressant. Ouais, bouclier d'argent. Oui. Ouais, j'ai la garde royale hellénique, moi, de mon côté. Les peltastes royaux aussi. Ah, les peltastes. Ah, oh, ça fait mal en mêlée, ça. Piquer une thorax. Tester ça. Piquer l'inotorax, c'est un mur, ce truc. C'est encore mieux qu'un mur de hoplite, quoi. C'est trop fort. Merde, je vais pas recruter ici. Oh, tu vas pas me dire que t'as pas assez de thunes? Non, c'est pas ça. C'est que ça prend deux tours. Ah ouais? Ouais, c'est dans la même province, pour ça. Ah oui. En soi, j'ai la thune pour. Mais là, je commence à manquer de nourriture, donc je vais me calmer sur les améliorations. Je vais faire des fermes. Ça ouvre la dalle. Ça donne de la nourriture. Ah, 10. Et un bas quartier. Ah, je peux mettre un édit, apparemment. Après, dis-toi que c'est l'hiver, donc ça ira mieux quand. Ah non, c'est que les revenus, ça. Ça marche pas avec. Ah, si j'ai un bas quartier dans la ville que je viens de capturer, c'est pour ça. Ça me sucre un peu de nourriture. Hein. Ah, tu m'étonnes. Parce que c'est l'IA ne sait pas gérer les bas quartiers, donc quand tu récupères leur ville, tu vois, t'en récupères 2-3 d'un coup et ça te fait moins 12 de nourriture. Ah, j'en ai récupéré en Africa avec Rome. J'étais dégoûté. C'est terrible ça. Hein. Ouais. Fédération Lyrine, ils veulent pas lâcher mes diplomates, sérieux. Ils ont pas d'armée, les Romains, en Afrique. Elles sont occupées ailleurs, visiblement. Bah, ils en avaient, pourtant. Parce qu'ils étaient en train de se taper face aux Garamantes.
Ouais, les gens... je pense qu'ils se sont dit, une fois que les territoires seront conquis, on va rentrer chez nous. Eh ouais, bah non. Il va falloir qu'ils retraversent la mer. Tu veux passer, paye. C'est la taxe de douane. Oh, il y a les nourris. Oh, il y a les nourris, il y avait la tria. Il veut pas. Non, c'est pas grave. Et les nourris sont aux portes de Rome. Il y a les... Ouais. Oh. Hum? Ouais. Ah ouais. Il y a les Gaulois, là. Patavion. C'est peut-être pour ça qu'ils sont rentrés chez eux. Hein. C'est possible. Ils se sont dit, ça pue vers chez nous.